6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. T'en es encore en retard. 8h03, bon réveil, qu'on amène le coq. Énergie. On y arrive pas. Je vous jure qu'on essaye. On essaye d'être à l'heure, mais putain, on n'y arrive pas, quoi. Ah, on y met du cœur. Hein. Putain, mais chier, c'est relou, c'est bon. Bon, Jason Derulo, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Je vais doubler votre salaire aussi. Tout ça, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla. Bonjour, après de belles apparitions du soleil ce matin, les nuages vont revenir en force d'ici cet après-midi. Ils pourront donner, comme hier, des pluies éparses. Les températures encore bien fraîches ne vont pas dépasser 14 degrés. Tout juste 8 degrés actuellement à Avignon, 11 à Carpentras. Le soleil reviendra dans quelques éclaircies en toute fin de journée. Un signe que l'hiver approche. Hier, les parasols et les vitrines qui séparent les terrasses de café de la place de l'Horloge à Avignon ont commencé à être enlevés. D'ici quelques jours, ce sont les chalets du marché de Noël qui vont prendre place. À Avignon, toujours, une nouvelle place va commencer à être créée aujourd'hui en lieu et place d'un ancien pâté de maison détruit il y a un an. D'ici fin mars 2014, on parlera de la place Saint-Bernard à proximité de l'université. 900 mètres carrés aménagés avec au sol des pierres et galets en béton, du mobilier urbain, de la végétation, un arbre annoncé comme imposant et des conteneurs enfouis. Difficile de mobiliser après 2 semaines de vacances, les syndicats étudiants et lycéens appellent à une grande journée d'action ce mardi dans tout le pays. Ils réclament la fin des expulsions d'élèves sans papiers scolarisés en France. Réaction à l'affaire Leonarda. Alors si trop rien n'est prévu à Avignon et en Vaucluse, des manifestations sont organisées dans la plupart des grandes villes. Hier, quelques lycées ont été bloqués à Paris notamment. Autre journée d'action ce mardi, des policiers nationaux. Une manifestation régionale est prévue cet après-midi à Marseille. Des policiers de Vaucluse vont faire le déplacement pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail, dû notamment à un manque d'effectifs. Le retour des corps des deux journalistes français tués au Mali samedi. Les cercueils ont été rapatriés ce matin depuis Bamako. François Hollande était présent à l'atterrissage de l'avion à Roissy. Il a rendu hommage aux deux reporters froidement assassinés par des terroristes. La Ligue des champions de foot, 4e journée de la phase de poule aujourd'hui et demain. En cas de victoire contre Anderlecht au Parc ce soir, le PSG sera qualifié pour les 8e de finale. Coup d'envoi à 20h45, tout comme le choc Juventus-Real Madrid. Marseille se déplacera demain chez les Italiens du Napoli. Puis la fin hier soir de la 13e journée de Ligue 2. Match nul un partout entre Brest et Troyes. À Brest, prochain adversaire d'Arles-Avignon, vendredi au Parc des Sports. Les assists sont 13e du championnat. C'est toujours Metz qui est en tête, suivi de près par Angers et Lens. Voilà pour vos infos. Il est 8h05 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9 double votre salaire. Bon début de journée. Merci d'être là, merci de nous avoir choisis pour commencer cette journée. Merci d'avoir fait en sorte que nous soyons votre premier contact avec la planète le matin quand vous vous réveillez. On est là avec vous, Mélanie est à mes côtés. Et je suis bien contente d'être là, tiens. Oriane est au standard. Salut. Ça fait du bien que tu sois bien contente d'être là, ça me rassure. Ouais, je suis bien contente. Et ça me fait chier d'être là, j'aurais été emmerdé. Toute l'équipe est là aussi, il y a Mourad qui a la réalisation. Bonjour. Nico s'occupe du web. Salut. Et tout de suite, avant de s'écouter Jason Derulo, on est à la bourre, il est 8h06, il est temps de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Jérémy habite Nantes, il a 23 ans, il touche chaque mois 1563 euros. Il s'est inscrit sur manudans69.com et il a eu raison. Parce que Jérémy, c'est toi que j'appelle maintenant pour doubler ton salaire. Tous les jours, 2 fois par jour, 7h05 et 8h05, je vous appelle. Nous sommes les seuls au monde à le faire, je le rappelle. 2 fois par jour, on double votre salaire. C'est parti. Nantes, Jérémy. Allô ? Oui. Oui. Jérémy de Nantes ? Oui. Ça va ? Ça va. Ça va bien ? Oui. Tu t'es levé à quelle heure ce matin ? À 7h. À 7h ? Ouais. Il est 8h07, t'es où là ? Dans ma voiture. Dans ta voiture ? T'es en train de rouler ? Ouais. Non, je suis arrêté là. Comme par hasard, tu es arrêté, ouais. Très bien, t'as du pot. Et si t'es pas vraiment arrêté parce que tu mens, parce que tu sais que si t'es pas arrêté, c'est pas bien, et ben tu te gares immédiatement sur le côté, tu t'arrêtes, et tu mets... Non, je suis arrêté. Et oui. Tu réponds à ma question. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Jérémy,
Oui. C'est une belle journée qui commence à Nantes pour toi aujourd'hui. Chaque mois, tu touches 1563 euros. Dès le mois prochain, ça va arriver pour toi. Tu vas toucher 3126 euros. Je te double ton salaire. Ouais, merci Manu, merci à toute l'équipe d'énergie, merci tout le monde. Merci beaucoup, un truc de ouf. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu es moniteur d'acrobranche. Ah, c'est ça, tout à fait. Moniteur d'acrobranche. Wow. Tu aides les gens à monter en l'air, à avoir le vertige et à paniquer. C'est ça. T'as tout compris. Je veux dire un truc, mais on en a parlé il y a pas longtemps de l'acrobranche, bah parce que Mélanie en avait fait et j'avais dit que moi j'avais trop le vertige pour faire ça. Ouais. Ça me fait flipper. Il y a beaucoup de monde qui ont le vertige, ouais, effectivement. Et c'est plus des mecs ou des filles qui ont peur quand ils se font de l'acrobranche? Eh ben, détrompe-toi, mais c'est plus des mecs qui ont peur, ouais. Oh, elle est là. Et il y a des mecs qui arrivent là-haut et qui font je veux redescendre et qui redescendent. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y en a beaucoup. C'est ceux qui font les kékés en bas et qui montent, qui disent à leurs potes, ouais, moi je suis un ouf, moi je déchire tout. Et en fait, arrivé en haut, ils flippent et ils vont redescendre. C'est quoi? Parce que en fait, l'acrobranche, si vous en avez jamais fait, c'est un truc, c'est genre tu te suspends un fil avec un treuil et tu glisses sur 200 mètres comme ça à fond et ça te fout la flippe. Quels sont les mots que les gens crient le plus quand ils ont peur? Putain, maman! Les deux en même temps, c'est pas gentil pour leur mère. Bon, ouais, bah écoute, c'est noté. Jérémy, bravo à toi, je te double ton salaire. 3126 euros, ça arrive dès le mois prochain pour toi. Félicitations. Merci Manu, merci toute l'équipe, merci Énergie, merci tout le monde. Je te souhaite une belle journée, ça peut vous arriver à vous aussi, comme Jérémy. Il suffit de vous inscrire, énergie.fr et manu69.com. C'est peut-être vous que j'appellerai demain, 7h05 et 8h05. Voici Jason Derulo sur Énergie, c'est Talk Dirty. C'est pour bien démarrer ce mardi. Bon réveil, merci d'être là. On that flight that you get on.